Laura Clark se défonce en écoutant des symphonies de Mahler, l'œil collé au soupirail de son salon. Le dédoublement de l'opium. Elle se regarde mourir et se paie le luxe d'un orgasme à l'heure où ses amants sortent du miroir, comme le rêve sort d'une coquille d'ombre. Elle s'allonge dans tous les bordels de Hambourg au même moment, pour vivre la tristesse du siècle jusqu'au bout. Multiplie les possibilités du poison. Voilà ce qui nous fascine chez elle. Elle a tous les pouvoirs et elle n'a pas d'âge. Dans son salon de Hambourg, tous les miroirs sont fendus par le milieu. L'image ne vieillira plus. Rock avait compris ça le jour où il me présenta Laura Clark. J'avais moi aussi la passion des miroirs brisés. Et ce mec arrivait comme le vitrier de la mort qu'on voit dans une des scènes d'Orphée. Une fois de plus, un ping-pong d'images. Tu te regardes mourir quelques minutes après ta mort. Le narcissisme extrême. Rock, Laura Clark, Jesse, Kerel. Nous étions les prêtres de l'ego. Une sacrée vacherie au texte sacré. Un coup de botte dans le ventre du Bouddha pendant sa méditation. Enlève ta mascarade, mec. La splendeur de soi. Rien de tel pour habiter toutes les étoiles à la fois. Comme Laura Clark habite tous les bordels de Hambourg. Dans la chambre 3 de l'hôtel Vogelmarkt, Jesse fait tourner les joints de colombienne, assis sur le bord du lit. Une seule cigarette et je comprends ce qui se passe ici. Ces fouilleurs d'ombre serpentent dans la chambre avec des murmures, des chuchotements incompréhensibles. Une bande de vampires défoncée par la lune, traversant le sommeil liquide de l'herbe. Betty a troqué son jean de cuir pour une robe de théâtre, rouge comme le sang. Un sacré truc érotique, ta robe, lance Rock. La sexualité du loup. Je regarde Betty. Une pleine lune rouge sang s'allume dans ma tête. Oui. Elle est belle, souterraine et belle. Elle, on a envie d'elle tout de suite. Elle vous regarde et vous avez envie de vous déshabiller devant elle, vêtue, vêtements et peau. Une nudité aussi sanglante que la robe. Tous les frères ont bu mon sang un jour ou l'autre. Les mots reviennent pendant que Betty bouge dans la chambre. L'heure du loup dans une chambre nocturne de Bruges. Jesse s'approche de Betty, dégrafe les boutons de sa tunique, comme s'il allait lui donner tout son sang. Il se contente de la regarder, buvant des yeux chaque ligne du corps. Je connais le jeu, il suffit de regarder fixement Betty pour se sentir délesté d'une quantité impressionnante de sang frais. D'ailleurs, son visage est plus pâle, sa respiration plus lente. C'est là où j'ai décroché pour la première fois dans cette chambre secrète de Bruges, comme pour rétablir un ordre qui n'appartenait qu'à moi seul. Mon premier divorce avec Rock et la bande. Au deuxième acte de cette histoire. Être seul en soi-même. Un projecteur braqué à l'intérieur du personnage. Le reste de la scène est plongé dans l'obscurité. L'obscurité liquide de Bruges. Et Bruges me rappelle à moi-même, comme une image dans la mémoire, sur le divan sombre
du psychanalyste. J'avance lentement dans la chambre, m'arrête à la fenêtre, laissant derrière moi leur drôle de clignotement. Betty qui danse en rouge dans la pièce. Et Jessie jalonnée d'or, sa veste de cosaque. Dégrafée, comme la conscience du moine fou qui s'abandonne à Dieu. Héroque dans son cuir noir brillant, en vêtements liquides, guettant la respiration du monstre sous ses écailles. Au deuxième acte, chacun croit entendre le choc des tambours de peau, loin dans la plaine flamande. Rock aiguise ses armes dans la chambre du Vogelmacht. Debout, dans le ventre du cheval de Troie. La ruse, frère, la stratégie du venin qui entre dans la chair avec la douceur de l'amour et glisse jusqu'au cœur sa langue de curare. Les joints de colombienne tournent toujours comme les armes sur les tables des tavernes quelques minutes avant l'insurrection. Nous sommes tous prêts, mais prêts à quoi ? Je n'ai pas envie d'interroger Rock, le médium, sur la marche à suivre. Bruges me rappelle à moi-même. Elle a commencé son œuvre de destruction. Je suis enivré d'images. Une guirlande d'images noires danse dans la chambre. Betty, Rock, Jessie. Ils s'éteignent tous avec le clignotement rouge et noir d'un papillon nocturne. Une longue aiguille en travers du cœur. Je marche vers la porte, touche la guirlande noire du doigt, m'étonne de sa douceur. La cendre a toujours un goût de miel, longtemps après la destruction. On appelle ça le souvenir. Bruges, Venise. Une fête sans masque pour toi et moi. Descendre les marches de l'hôtel, glisser le long de la raie et retrouver la respiration profonde du Grand Canal un soir d'été 1979. Et peut-être, plus loin, au fond de la mémoire, d'autres images, des boissons de soleil à la terrasse du Florian. Je descends les marches avec des gestes d'enfant un matin de Noël. M'auras-tu attendu ? Betty me crie quelque chose, je n'entends pas. Je cherche ta statue immobile, dressée au milieu de cette ville fantôme. Une nymphe de marbre blanche et pure dans la mémoire, et qui fait mal quand on la regarde. Mais l'herbe n'accepte pas ce trip du cœur. Elle te dédouble, retourne ta peau comme un gant, déchire la guirlande d'images, te montre les mécanismes secrets de l'âme. Et tu l'entends dire, arrête, vieux. Elle n'est ni blanche, ni pure. Grise, comme nous tous. Qu'est-ce que tu crois ? Elle accepte, elle aussi, qu'on la touche et qu'on la regarde. L'empreinte des doigts. Regarde l'empreinte des doigts sur sa peau. Les caresses nous font tous vieillir. Elle ne rend jamais le cœur transparent. Hey, qu'est-ce que tu me fais dire, mec ? Cette guirlande d'images, l'empreinte des doigts, le marbre pur et la transparence, tout ça pour justifier la nymphe de marbre. Tu viens d'apprendre qu'elle s'est payée un autre type. Comme tout le monde. Laisse faire le monde, vieux, et fonce tout droit. La mec de glace, la voilà, la nymphe de marbre, la vraie. Immobile et pure depuis le commencement des temps. Toutes les femmes qu'on aime devraient mourir dans les neiges du pôle et ne jamais descendre de leur trône de glace.
Voilà ce que me souffle l'herbe tandis que je descends les marches du Volgamart. Quelques secondes ont suffi pour comprendre que rien ne sert à rien dans cet entrelac de visions qui nous rendra tous fous. Rock, Betty, Jesse, fous. Parce qu'il n'y a rien à saisir et rien à trouver, sinon la glace, le froid, la pureté désespérante. Le contraire du bonheur. Et je ne sais plus pourquoi j'ai quitté la chambre, les laissant tous à leur jeu d'image, à leur quête sans issue. Nous sommes coincés, bel et bien coincés. Je suis seul dans les rues de Bruges. En vêtements noirs, avec un goût de cendre dans la bouche pleine de cendre, noyée, sauvée, un milliard de fois. Les yeux pleins de larmes, sans mourir vraiment et sans pouvoir vivre, changé en poisson fou par je ne sais quelle monstruosité du ciel. Mais le ciel existe-t-il? Je marche jusqu'à la place centrale, pour rien, à la recherche d'un centre, d'une tour de solitude habitable pour 1000 ans. La viande saigne dans les vitrines des boucheries. Rue Saint-Jean, sous les passages couverts, les quartiers de bœufs pendent à l'étal. Passage couvert. Mâchoire froide fermée sur la rue. J'ai froid à l'intérieur des os. Un singe de pierre s'accroche à ma nuque. Comme dans le manque de drogue. Mais il y a déjà 10 ans que je ne carbure plus à l'héroïne. Alors quoi? Ce froid, ce vide du cœur, quelle drogue me manque? Hey mec, balance cette foutue drogue du cœur, sois dur et superbe. Gueule, l'herbe en entrant dans mes poumons. Pendant 2 secondes, je suis plus fort que l'herbe, je déjoue sa stratégie et je comprends la volonté magique de cette ville. Les sorcières de Bruges me guettent dans l'obscurité à travers l'œil sanglant des boucheries, dans l'ombre des passages couverts, derrière les meurtrières noires des façades. Ces harpies plantent leurs dents dans la viande du cœur et tu deviens arbre mort, dépouillé d'images. Un rêve qui finit de pourrir dans la fosse. Une momie d'os, fatiguée de vivre, fatiguée de mourir et qui ne sait plus où aller. Mais l'herbe reprend sa stratégie et le voyeur funèbre que je suis se colle au trou de serrure pour se regarder mourir. C'est comme si je marchais dans Venise quelques années après la chute de l'âge d'or, avec des ruines à la place du cœur. Je m'assieds sur le bord d'un canal et me roule une cigarette en méditant sur l'eau qui coule. Je fume, je suis une statue de marbre noir qui fume au-dessus des eaux et que les touristes peuvent venir visiter. Des gens me croisent, je sens leur souffle dans mon dos. L'empreinte de leurs doigts me fait peur. Et si j'étais, moi, au moment où je fume ce joint d'herbe, au-dessus de l'eau, une tour de solitude habitable pour 1000 ans. Ne cherche rien, mec, tout est là, déjà en toi. Le froid, la douleur froide, le vide du cœur. Regarde-toi faire, là, dans le miroir des eaux. Qu'est-ce que tu vois? Des larmes, des cris? Non, mec. Aucune douleur de ce genre n'est visible. Personne ne sait qu'une bande de sorcières t'a bouffé le cœur. Regarde, qu'est-ce que tu vois? La splendeur de soi. J'ai balancé ces 4 mots à voix haute. Je contemple mon image qui tremble à la surface de l'eau. Je m'appuie sur l'image comme si je devais sauter très haut, dans le ciel de Bruges. Mon corps ne bouge pas, seuls les mots jaillissent au-dessus de la rue. Un cri, un hurlement que tout le monde peut entendre.
Même Rock, dans la chambre secrète du Vogelmarkt, entend la vibration folle de ces quatre mots. La splendeur de soi. Et j'ai besoin, tout à coup, d'une symphonie superbe, d'un truc héroïque qui gonfle l'âme et vienne remplir le vide mortel du cœur. Le Land Rover, le lecteur de cassettes et la symphonie numéro 3 de Mahler. Par exemple, Kraftig, la marche implacable et que l'univers sombre avec nous. La nuit tombe, je suis seul et vivant. Je cherche un incendie quelque part. J'écoute sonner mes bottes sur le pavé de Bruges. Je m'accoude au pont Saint-Jean et regarde couler les eaux noires de la Reille. La ville souterraine gronde. Oh, ça rase, putain! La ville souterraine gronde avec mon sang. Je pourrais d'un seul coup de poing symphonique abattre ce pont de métal et livrer la ville au chaos splendide de Mahler. Bordel. Et s'il nous restait seulement quelques heures à vivre avant la nuit absolue, que feriez-vous, monsieur? Et vous, là, monsieur? Qui sortait de ce restaurant italien? Et vous, madame, perdue dans la nuit de vos fourrures, que feriez-vous s'il vous restait juste une heure avant la nuit absolue? Le jeu m'intéresse tout à coup. Je descends du pont Saint-Jean et cherche les rues éclairées, les lieux où vivent les hommes bruyants. Et tous les fantômes gras du siècle. Je suis un ambassadeur extraterrestre en visite sur la Terre. Aurait dit mon ami le poète Élie Delamarre de Bouteville, avant d'interroger les gens sur le sens de leur vie, qui est aussi le sens de leur mort. Homme de Bruges, le ciel m'est témoin. J'écoute mentalement la symphonie numéro 3 de Mahler et je ne perds aucune inflexion musicale. Pas besoin du lecteur de cassette, tout fonctionne à merveille. Le labyrinthe de cette ville est une partition vivante et le rythme du premier mouvement plonge dans le fracas des eaux. Escalade, les 80 mètres de pierre noire du beffroi. Mort et résurrection. J'avance, l'archer au poing, les yeux remplis de vision. Et maintenant, homme de Bruges, je profitais de cette accalmie musicale pour répondre à ma question. Que feriez-vous si les hommes de Bruges s'en foutent, me prennent pour un dingue, n'entendent pas la merveilleuse symphonie numéro 3 qui est la destruction splendide du monde et la naissance de l'homme-dieu assis au centre de lui-même, sur un trône d'amour et de gloire. Homme de Bruges, descends du trottoir et laisse passer la musique. Descends du trottoir. J'avance et rentre dans la foule, à grands coups d'épaule, un sourire d'extase sur les lèvres. Le monstre vibre sous le choc. J'entends des gloussements et des cris de haine. J'avance toujours, cogne fort dans la foule. La musique plein les oreilles. Un type s'accroche à mon bras, me tire en arrière. Cherche la bagarre. Ce zombie se laisse manipuler par son inconscient. Car son inconscient entend sûrement la symphonie numéro 3 de Mahler. Et le type a peur de la fin du monde. Que feriez-vous s'il vous restait une heure avant la fin, avant la nuit absolue? Mon poing dans la gueule. Et le type, en me bousculant, cogne sur lui-même. S'effondre en pleurant dans les débris du miroir. Il vient de se voir en face, le con.
Une gueule même pas sordide, un truc chiffonné tout triste, avec des yeux stupides et la haine imbécile au fond. Je pourrais lui filer une lame dans le ventre, sans complexe. Mais il ne mérite même pas ça, cet empêcheur d'écouter en rond. Je tourne dans Bruges, la morte. Soulève des cadavres à la pelle, des pelletés de poux et de morpions, avec la volonté de les dissoudre. La nuit colle sa lampe sur tous les masques. Un geste et les masques disparaissent dans le brouillard. Ils n'ont jamais existé. Tu viens, souffle une pute dans l'obscurité. Venir où? Faire quoi? L'amour! Drôle de mot dans cette bouche fardée taillée pour sucer l'âme. L'amour, je me tourne vers elle avec les yeux de l'indulgence. Jean. Madame, s'il vous restait juste une heure avant la fin du monde, je sais ce que vous feriez. L'amour. Elle a dit ça simplement, comme une évidence, mais elle n'a pas d'âme, et sa bouche ensanglantée ressemble trop à la bouche d'un clown triste. Pardon, madame, j'ai fait le tour de l'amour, il ne reste plus que des ossements dans le lit nuptial. J'éclate d'un grand rire sonore. La fille est effrayée, un dingue, un fou. Vous permettez ? Je garde un moment de silence et essaie de retrouver la symphonie de Mahler. Un sacré test. Est-ce que la fille entre dans la symphonie? Si oui, on monte. Mais personne n'habite la symphonie numéro 3 de Mahler sur cette foutue planète. À une heure de la fin du monde, qui trouvait qui mérite ainsi la traversée du miroir sans rien briser? Tu es seul, mec. Seul pour 1000 ans dans ta tour de solitude. Rentre à l'hôtel, il n'y a plus rien à faire. Dans quelques jours, le Land Rover franchira la frontière des glaces. Alors, nous saurons si Dieu existe et s'il reste encore quelque chose à sauver. Assis à l'avant du Land Rover, sur cette route grise hantée par tous les mauvais anges du siècle. J'écoute le vide de l'âme et je le remplis de musique. Bruxelles tout droit et Bruges derrière, avec le divan noir du docteur machin. Je me fous et me contrefous de ces villes soi-disant révélatrices, ces Venises funèbres qui ne savent que refléter un peu plus le vide de l'âme, la route, l'aventure, la mécanique musculaire en mouvement. Voilà de quoi suffire aux barbares du siècle, sans leur coller la pilule du romantisme en surplus. On vit une époque de mauvaise digestion, épargnez-nous les plats trop tendres qui tournent le cœur. Je pense à ça, pour en finir avec Bruges, en inventant toutes les Bruxelles et les Copenhagues du futur. Bon, arrêtons là. Et voyons un peu ce qui se passe derrière le pare-brise. Rien pour l'instant, sinon la route toute droite et le spectre des voitures qui nous talonnent. Si, une station-service à gauche est le début d'une voie de délestage. Rock raconte ses aventures de la nuit. Ces dingues ont réussi à tirer une minette dans l'église Notre-Dame, derrière le sarcophage noir de Charles le Téméraire, au nez et à la barbe des curés du coin. Le vieux Charles a un sacré piston, gueule Jessie, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une partie de jambes en l'air comme une autre. Car à travers eux, le vieux guerrier se tapait une minette d'aujourd'hui, 5 siècles après sa mort. J'imagine son énorme épée dressée à l'intérieur du sarcophage, son dernier combat, grâce au pouvoir magique de Rock. Et maintenant, on vit tous au présent en vision panoramique de l'autre côté du pare-brise. La banlieue de Bruxelles s'étale comme une toile d'araignée morte. Et nous, on passe au travers, conscients de vivre enfin dans notre élément naturel. La ruse, la horde, le retour
des loups, avec les grands froids. Seigneur, il n'a jamais fait autant froid dans votre foutu univers. Diego, sûr, le Mexique a bien changé. Plus de tocsin d'or au-dessus des toits blancs. Les pistolets brillent moins au soleil. On vit une drôle d'époque, Diego. Des duels de courants d'air dans des saloons vides. Où est la sainte poussière sur le cuir des bottes? On nage tous dans du barane. Où est passée la bonne graisse de yak? Vrai, frère. Le grand Manitou a quitté la terre. Il est remonté plus au nord. Là-bas, les vrais guerriers vivent leur dernière chasse. Clac. Mes yeux se ferment avec la porte du bar. Silence. Mais on poursuit tous le dialogue intérieur pour ne pas quitter un seul instant la légende. Il n'y a pas à dire, Jesse. Rock cligne des yeux. Cligne ses yeux de vieux Texan. Ce Land Rover est une véritable machine à remonter le temps. Véritable et pas, on dirait. Aussi vrai que ta tronche abominable. Il balance un coup de coude dans les côtes de Jesse, sans quitter la route des yeux. Tiens, Rock apprend à rire. Et ça sonne juste. Je suis sûr que l'instant vécu entre Rock et Jesse sonne mieux que l'amour, la fraternité et autres conneries du genre. Quelque chose de juste, donc de forcément sincère, juste, c'est-à-dire dans l'axe des choses, en musique surtout, pas une note perdue. On a tous décidé d'investir un grand magasin de Bruxelles et d'y faire notre musique à nous, d'y balancer notre rythme. Et tant pis si ça casse, pense Jesse. On avait oublié le jeu du grand magasin. Une dernière fête barbare aux yeux de tous, avec Monsieur Tout-le-Monde dans son rôle d'acteur. Nous arrivons sur la grande place. Rock ajuste ses gants de cuir, pose ses mains sur le volant. Silence. Jesse descend le fond d'une bouteille de Porto, essuie le goulot sur sa tunique et s'envoie la dernière rasade. On y est. La caméra de l'histoire sur chaque geste. On se demande seulement si cela finira un jour et où tout cela finira. Un instant, avant de descendre de la voiture. Et puis, ça y est, la rue nous absorbe. Il y a plusieurs manières de traverser une foule, à la mexicaine par exemple, dans un envol de pétards de couleurs, avec cette allégresse qu'ont toujours les fêtes de la mort au Mexique, Valium and Tequila. Des cigarillos plein la bouche. Mais ce truc-là sent trop le soleil, la sueur et la poussière. La seconde manière correspond mieux au voyage. Le Land Rover brille sous les néons de l'avenue. On traîne jusqu'au hall du grand magasin nos carcasses de trappeurs fatigués, de la neige plein les bottes. Mais ce truc-là respire la fatigue du corps, la solitude du cœur. Nous, on arrive intact, intouchable, comme le dieu serpent des Mayas dans sa cuirasse de plumes noires. Des dieux, ouais. Et on ne m'accuse pas de littérature sous prétexte qu'on vit dans un siècle d'esclaves. Tout est dans l'attitude, mec. La symphonie des gestes. Dans les rues de Bruges, en cognant à coups d'épaule dans la foule, j'avais déjà envie d'une fête de ce genre. Un studio de 3 étages rempli de figurants, avec des décors de vitrines jusqu'au ciel. C'est le dernier grand magasin qu'on dégringole sur la route du Nord. J'entends d'ici le bruit du verre brisé, la chute de tous les miroirs. Ah la vache!
Une manière comme une autre de dire adieu à la civilisation, la technique de la terre brûlée. Le Land Rover circule dans un seul sens. Il ne reviendra pas en arrière. Celui qui croise son fantôme sur la route est un homme mort, enfilant un coup de botte dans cette pyramide de verre. On fait sauter tous les ponts derrière nous. Aucun repli possible. Une angoisse me saute au visage avec les bouffées de chaleur du rez-de-chaussée. Et si les flics belges débarquent, matraquent et sirènes hurlantes, on risque tout simplement de passer la frontière dans l'autre sens, accompagné par les motards de l'ordre. Et si ma tante en avait, disait toujours la tête brûlée du collège de Brassac-les-Mines. Et je le regardais béatement siffler un litre de rhum à cheval sur l'une des fenêtres du dortoir, les pieds dans le vide. C'est lui qui avait raison. Une phrase de ce genre est une bouteille de rhum. Rien de tel pour foutre tous les possibles en l'air. Rock avance au milieu des marchands du temple. Jesse se tient droit derrière lui. Il vient de fermer le dernier bouton de sa tunique. Signe révélateur. Il s'apprête à faire un sermon. Homme de partout, admirez la beauté de ce Chanel numéro 5. S'il reste un barbare planqué dans cette assemblée, qu'il vienne et qu'on le bénisse. Imitant le capitaine Flynn, l'œil noir, l'océan s'ouvre comme une barrique d'or. Dites un mot, capitaine, et les Caraïbes sont à vous. Il brandit l'énorme flacon au-dessus de la foule. Et tout à coup, dans les mains de ce cinglé, le flacon devient une mitre papale. Bénédiction, frère barbare, bénédiction. Nous formons le carré autour de Jesse, espérant qu'un poignet cerclé de cuir se lèvera au-dessus des têtes. Mais rien, rien d'autre que nous, avec ces types en cravate ahuris devant leur crayon. Devant leur rayon. Et puis, Jesse dévisse le bouchon du flacon, retrouve les gestes de celui qui a tout son temps tranquillement installé comme chez lui. Barbare, mon frère, ce fou s'asperge de Chanel numéro 5. À midi sonnant au rez-de-chaussée d'un grand magasin de Bruxelles. Et la lumière resplendit sur la tête de ce dingue. Les types commencent à râler, ne voient pas la lumière qui illumine Jesse tout entier, n'ont jamais vu la lumière, sont même jamais nés. Et Jesse lâche le flacon vide qui se brise sur les carreaux rouges du sol. Rock fouille les yeux morts de tous ces mecs. Rien à sauver, vieux. L'effondrement total. Ne comprennent pas le regard du sorcier. Flacon explose au sol. Comprennent toujours rien. Bougent dans tous les sens. S'agitent, cherchent une arme pour tuer lâchement. Ont peur. Des images sautent dans leur tête. Hésitent à marcher sur les débris. Chaque geste cache un serpent. Vite, un flic, un défenseur de l'ordre, un protecteur armé pour guérir la trouille de ces putes. Fous un disque, vieux. Qu'on joue ça en musique. Et je m'imagine fonçant au rayon des disques, sortant un flingue et posant sur la platine « Coming into Los Angeles » d'Arlo Guthrie. Je rêve à ça, dans le vacarme de ce saloon de verre. À des montagnes de verre qui s'écroule, et à la marche inexorable du desperado. Colt au soleil, chapeau sur les yeux, et les yeux dans l'axe de la conscience. Pour Rock et Jesse, briser des flacons de Chanel dans un grand magasin de Bruxelles n'a rien à voir avec une descente de loubar, gueulant un vieux truc de Cochrane. Non, il y a des abîmes entre les notes, et c'est là qu'il faut sculpter, tailler dans le vide, la comédia dell'arte.
aux approches de l'an 2000, avec le projecteur blanc de la peur sur tout ça. 10 minutes dans ce magasin de Bruxelles, à guetter l'arrivée des types en casquette. Un psychodrame monstrueux, le jeu du voyeur sous les 100 miroirs du grand magasin. Un scalp d'image à ta ceinture, mec. Une chevelure de verre fragile, parfumée au Chanel numéro 5. La putain de l'Occident. Jambes ouvertes au milieu des verres brisés, et tu lui fais l'amour-violence. 10 minutes sur le carrelage rouge du claque, à grands coups de bottes dans la gueule. Tes yeux de médium plantés dans ses yeux vides, et tu lis le désespoir, et tu cherches une planque définitive, une fosse de silence, même si la fosse est remplie de serpents. L'homme sorcier aime affronter les serpents, mais que peut-il dire à la putain d'Occident qui lui bouffe le cœur pour foutre en l'air la légende ? Un viol, un coup de botte dans sa gueule de verre, et tu repars sur la route, entraînant les parfums de son scalp à travers les plaines du Nord. La dernière chaleur du cœur avant la glace. Un grand magasin de Bruxelles, stupide quand j'y pense. Même vu sous l'angle de la commedia italienne. Jesse a brisé une vingtaine de flacons de verre. En écoutant Coming into Los Angeles, les yeux rivés, sur la route grise qui fonce sur le nord. Un geste de somnambule. Rien de plus. On s'est tiré avant l'arrivée des flics belges, mais on ne risquait rien. Tout se passait sûrement dans un rêve. Betty saluait les oiseaux transparents qui vivent dans la glace du pôle. À la 10e minute, ce foutu magasin commençait à coller à nos semelles. Fallait se barrer, si on voulait rester intact. Ouais, se barrer. Se rayer de la carte des hommes, ouvrir nos ailes, et sauter en plein ciel au milieu des oiseaux transparents. On se retrouva donc, une fois de plus, dans la rue, sous l'enseigne rouge d'une pizzeria. Fourchette et couteau sous l'éclairage pur de cette boîte. La beauté d'un verre de Chianti. Et nous, parfumés au Chanel numéro 5, attaquant la pâte chaude et le gruyère fondant. Très calme, courbé sur nos assiettes avec des attitudes de personnages de Noël. Sous le plafond bas d'une crèche. Choc des fourchettes contre les assiettes. Les types des tables voisines lorgnent nos drôles de vêtements. Faut dire que le scalp de parfum commence à glisser dans la salle. Et la salle empeste le parfum. Betty envoie un sourire à chaque bouchée. Le garçon nous sert sans un mot. Je vois l'avant-bras de sa veste blanche traverser l'espace de la table. Jesse a vu lui aussi. Il devance son geste, surgit avec la rapidité d'un chat et plante ses dents dans la manche du type qui pousse un cri. Hey, vous êtes fou ! Jesse fait tourner ses yeux de flipper. Tu as dit « vous êtes fou ». Tous les chats de la planète t'ont pas bouffé la langue. Je te respecte pour la couleur de ta veste. Mille excuses. Je voulais juste savoir. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Le garçon se met à rire. Sûr, ce mec cache peut-être l'âme d'un saint du 21e siècle. Qu'est-ce qu'on en sait ? Dans cette foutue histoire chrétienne, la plupart des apôtres étaient de pauvres pécheurs. Ils devinrent pécheurs d'âmes. Non.
le garçon de cette pizzeria servira peut-être un jour des pizzas au ciel. Si le ciel existe, ou alors il ira les cuire en enfer, si l'enfer existe. Ou alors, rien n'existe, pas même les pizzas de l'avenue Arras à Bruxelles. Mais en bouffant ces trucs, on croirait à l'existence des pizzas, le test du goût. À Dieu ou au diable ? On était un peu tout ça, des bouffeurs de pizza, des moines de Dieu et des adeptes du diable. Ouais, la terre est bien triste à certaines heures. Il suffit de penser à ça pour sombrer dans une espèce de langueur. C'est comme si tu écoutais la symphonie numéro 5 de Mahler. Les choses se mettent à couler et tu fais la planche au-dessus. Couché sur l'océan noir des choses, et qu'est devenue la merveilleuse symphonie numéro 3 sur le piano désaccordé de ce grand magasin? La honte et la confusion. Même si Rock se croit toujours branché sur les plus hautes fréquences. Le moteur du Land Rover nous arrache à cette torpeur, ce moment de cigarette triste après l'amour. On roule dans la banlieue noire de Bruxelles, et tout à coup, Herman Hebert de Nina Hagen dans la radio de bord. La musique nous taille la proue d'un navire barbare carburant à tous les étages. On est gonflé pour Milan, Malines, Anvers, Rosendal, Sevenberg, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Jean. Jesse fait clignoter les villes et joue sur le bouton du cassette. À chaque fois qu'il balance un nom, Light Show, en musique sur le pare-brise du Land Rover. Surtout, ne pas perdre une note, ne pas quitter l'axe de la légende. Bon Dieu, on écrit ça pour les 2000 ans d'histoire qui viennent. À Malines, une halte pour faire le plein. Des hamburgers dégueulasses dans un café de la ville. Puis la route de nouveau, droit sur Anvers. On ne s'arrête plus, on a l'impression d'échapper à quelque chose de très obscur. Betty se penche vers moi. C'est vrai, j'avais oublié Betty. Il y a longtemps que Betty n'existe plus. Depuis ma randonnée nocturne dans Bruges, Betty ne pouvait rivaliser avec la fabuleuse symphonie numéro 3 de Mahler. Bien sûr, elle existe comme tout le monde existe, mais sa structure mentale ne m'intéresse pas. Je suis le fantôme de moi-même. Et je n'ai pas envie d'habiter quelqu'un, ni d'être habité par quelqu'un. Elle attend un signe, un message, la clé du code, n'importe quoi qui puisse me ramener vers elle, le contraire de cette abscénèque que je trimballe depuis Bruges. Tu fonctionnes à quoi ? Elle balance ça comme une formule de politesse tellement usée qu'on voit son angoisse derrière. On est là, mec, n'oublie pas le totem de la tribu. Ne perds pas l'axe de ta vie, le sens de la route. On va tous dans le même sens, n'oublie pas ça. Non, je n'oublie rien. Je guette la tombée de la nuit. J'attends la résonance lumineuse des villes, rien d'autre que la résonance lumineuse des villes. Betty m'objecte qu'elle existe aussi. Qu'on brille tous sur cette satanée route, la résonance lumineuse. On n'a jamais su vivre autrement. Les villes, les êtres, les paysages qu'on traverse, ils appartiennent tous à la pellicule folle que Dieu déroule dans la boîte obscure de ta tête. On n'en sort pas. Depuis le début de la création, rien ne sort de la boîte obscure. On tourne toujours en rond à la recherche d'une brèche, d'une porte de secours, même s'il n'y a rien d'autre que cette boîte obscure qui flotte dans le vide depuis le non-commencement des temps. Mais qu'est-ce que le non-commencement ? Aucun pionnier n'est revenu du long voyage pour nous raconter ça.
Frère, ta structure mentale ne sert à rien pour expliquer le mystère des mystères. Betty me montre du doigt un énorme camion en stationnement sur le bord de la route. Vlan, il disparaît déjà au fond du rétro. Les toits d'ardoise qui sortent du paysage et loin derrière la ligne sombre des montagnes. Tout ce qu'on voit nous appartient. Ouais, capitaine Flynn. L'océan brille comme une barrique d'or, mais ton œil vaut mieux que la barrique d'or que tu contemples, dirait le sage chinois s'il y avait encore des sages en Chine. Ou bien ton œil brille plus que la barrique d'or que tu contemples, ce qui revient au même. Si l'univers brille, surtout ne pas bâiller d'admiration, ni tomber à genoux en récitant les 10 000 noms de Dieu. C'est toi qui brilles, mec, toi seul, et l'univers est là pour épouser ta résonance. La résonance lumineuse des choses, c'est toi. Le fondement de l'univers, toujours toi. La pierre d'achoppement à partir de laquelle les constructions se désagrègent, les structures s'écroulent. Toi, toujours, sur quoi tu fonctionnes? Elle remet ça, comme si elle n'avait pas pigé. La résonance lumineuse, on est là pour ça, non? Elle hausse les épaules, se rapproche de moi et me colle l'éclairage de ses yeux en pleine gueule. Et moi? Elle dit, et moi? Et nous sommes sans doute des milliards à gueuler la même chose triste sous les étoiles. Je pourrais me pencher vers elle et l'embrasser en mimant la courbe d'un virage pour lui montrer que nous sommes sûrement liés par la même loi harmonique, elle, le Land Rover et moi. Mais cela ne changerait pas le problème de nos identités. Au contraire, cela ajouterait tout simplement, et le plus simplement du monde, un mensonge de plus aux 2 000 ans de mensonges qu'on laisse derrière nous. Devant nous, en vert, une barrique remplie d'or et de résonance. Vérité aujourd'hui, mensonge demain. Vivant aujourd'hui, tu seras mort demain. On laisse derrière nous tous les cadavres qui nous ont ressemblé un jour. Une manière efficace pour monter plus haut en lâchant du lest, là-haut, c'est-à-dire là-bas. Et tant pis si tes poumons brûlent, si ton cerveau éclate, la grande lessive du corps. Tous les hommes en rêvent, pas un n'ose essayer. Allons, mec, plonge-toi dans la glace, étends-toi au soleil. Deviens âge de bronze au fond du feu, ou répands-toi comme neige sur le monde. Pas un n'ose essayer. Tous ces mecs sont malades. Ils ont le mensonge à la place du cancer. Le cancer n'est qu'un mot. Il n'existe pas. C'est la forme biologique du mensonge, son incarnation. Personne ne meurt du cancer dans les glaces du Nord, à moins 50 degrés. La conscience détecte les tumeurs malignes et le poison gèle dans les veines. Betty, penchée sur moi, Betty penchée vers moi, ses yeux de planète folle. Betty incendiée par la came et qui me regarde et se heurte à l'absence. Toutes les questions qu'elle m'envoie reviennent vers elle sans réponse et elle voudrait savoir où j'en suis, ce qu'elle devient, elle, dans cette histoire qui lui échappe. Elle remplit mal son rôle d'ogresse, sa noble fonction de mante religieuse vénérée par les hommes. La reine cruelle n'est plus qu'une pauvre reine sans couronne et qui interroge. Que va dire Rock? Je suis en train de foutre en l'air le plan de ces deux dingues, en me programmant moi-même sur des fréquences à peine perceptibles, car Betty a besoin de créer des liens avec quelqu'un pour enrayer sa peur du vide. Avec Rock, c'est différent, ils vivent tous les deux sur une planète de granit. Mais Betty a peur du silence qui se dégage de Rock, de ses yeux de médium
qui voit à travers la mort. Il lui faut créer des liens très vite pour échapper à sa peur du vide. Voilà pourquoi elle passe doucement ses doigts sur ma nuque. Je la laisse faire, les yeux rivés à la route. Alors ce vampire profite de mon abandon et colle sa bouche tiède à l'emplacement exact du souvenir. Tiens, il neige. À qui penses-tu? Elle a dit ça comme s'il y avait un lien secret entre la neige et le souvenir. Une fois de plus, elle ne se trompe pas. En m'embrassant sur la nuque, peut-être essaie-t-elle de contrôler une partie de mon cerveau. Tout est possible, oui. Il neige sur Anvers. La première neige du voyage, un cadavre tout blanc qui flotte au milieu des flocons. Et ça te fait quoi cette neige qui tombe? Tu comprendrais pas. Dis toujours. Dire quoi? Pour expliquer quoi? Démontrer quoi? Démontrer quoi? J'ai envie de lui gueuler sans quitter la route des yeux. Enlève ta bouche de ma nuque, baby. Tu brouilles le paysage. Pour qu'elle cesse d'envoyer des images fantômes sur la route et qu'elle laisse le pare-brise tel qu'elle l'a trouvé, intact et pur. Mais cette garce s'en fout. Elle se laisse aller, les mains collées à ma nuque, et commence la danse du serpent dans mon dos et m'envoie des images gluantes, froides, des trucs de larves, des abominations. Où va-t-on si nu, si désarmé? En enfer, mon pote. On était tous nés pour ça. Tu te souviens du goût du plomb dans la bouche? On vient tous au monde avec le goût du plomb dans la bouche. Avant que la langue ne puisse parler et nous montrer des trucs aussi compliqués que la mort et la folie. On sort de la mort, on y retourne, mourant. Marrant, non? Quand tu sentiras de nouveau le goût du plomb, il te restera encore quelques heures ou quelques jours, pas plus. On retrouve rapidement la densité du plomb et on coule de plus en plus vite au fur et à mesure que le poids augmente. Cette salope vient de piger le secret de mon silence. Une langue de glace qui empêche de parler. Plombée, rivée à la mâchoire, poursuivant son supplice silencieux pour que le prisonnier n'avoue pas. Non, Betty, nous ne sommes plus à Paris. Nous avons voyagé le temps nécessaire tous les deux. Maintenant, les amarres sont rompues. Je n'ai envie ni de Betty ni de personne d'autre. J'habite un rêve de glace et je défends à quiconque d'y entrer. Une princesse des neiges va encore. Mais il faut qu'elle comprenne qu'on ne va pas se fier au rêve sur sa seule apparence. Je lui propose un test. Une heure, une toute petite heure au soleil. Si elles ne font pas, la garce peut aller grossir les rangs du MLF. Betty vient de le comprendre, car elle retire très vite sa bouche de ma nuque, comme si ma peau l'avait brûlée. Et je traverse dans un isolement complet les 100 derniers kilomètres qui nous séparent d'Anvers. Betty ne dira plus rien. Elle essaiera quelques pirouettes mentales avec Jessie. Mais Jessie fonctionne tout à coup sur des fréquences très obscures, en basse vibration, pourrait-on dire. Inabordable lui aussi. Dans l'étape des 100 derniers kilomètres, poursuit sa course. Seul en lui-même, comme tous les outsiders. Accroché au sillage de son unique étoile, se fout de l'étoile des autres, mais bénit tout de même ceux qui ont le privilège de l'étoile. Ne parlons pas du reste, le reste n'est que cendre sur la nappe du monde. Seul, lui aussi, dans la position magique que prend toujours l'ange du sommeil pour aller voir derrière les choses. Alors Betty comprend que le jeu a assez duré, qu'il lui faut revenir sur sa planète de granit. Et non plus sortir. Rock lui donne l'exemple. Il n'a pas cessé de lui donner l'exemple. Il joue avec son image, prend des poses dans le rétroviseur. Et c'est exactement où il en est avec sa morphogéographie. Il se regarde dans le rétro et apprend à s'en sortir avec cette boîte d'os remplie d'éclairs.
Il possède une vision instinctive de son propre corps. Pas un pouce carré de terrain ne lui échappe. Voilà où nous en sommes, à 10 minutes à peine d'Anvers. Une précision militaire de soi. La mathématique du speed. L'accélération constante de toutes les particules du cerveau. Sûr, les dieux ne respirent pas autrement. Mais les dieux fantômes ne hantent plus les rues d'Anvers. Le pas de roc est fermé. Ferry Grignard est mort. Reste l'empreinte magnétique du mort sur cassette ferro C60. On a tous envie d'écouter Drunken Sailor et de faire revivre ce barbare en basket avec sa barbe de la nuit et son cuir couvert de blessures. Triste la traversée d'Anvers, une ville qui ne veut plus rien dire, des rues grises partout, le poumon mort de la vieille Europe. Et ce voyage devient aussi l'autopsie d'un cadavre. Europe, réveille-toi, hurle ces six cinglés vêtus de cuir, mais les dragons se taisent dans leurs cavernes. Les hommes sont sans légende. Nous laissons Anvers derrière nous, essence sandwich, un carton de bière hollandaise, et nous attaquons les 20 km qui nous séparent de Kalmthout. Kalmthout. Et nous décidons de passer la nuit dans une auberge en rase campagne. Feu de bois et odeur des fermes autour du village. La vieille Europe garde toujours dans ses greniers les édredons de l'enfance, qu'on verra peut-être un jour dans les musées, sa dernière pudeur. Et pourtant, le sommeil ne sera pas pour cette nuit encore. Nous tombons, sans le savoir, en plein cirque infernal, avec projecteurs de scène, comédiens maquillés et spectateurs hurlant au meurtre. Une bande de cinglés de plus sur la route du Nord. L'inévitable rencontre des tribus. Salut à toi, homme des terres de l'Ouest. Où en est ta vie? Ça flambe, mec. Des villages entiers. Projecteurs rouges partout. Vous avez sorti les peintures de la guerre. Maquillage très compliqué. Honneur à ceux qui se baladent en couleurs dans l'univers. Et c'est quoi tes couleurs? D'abord, Vénus prisonnière des miroirs. Et puis le fantôme noir et blanc de Radio Catastrophe. L'un ne va pas sans l'autre. Et j'apprends que ces dingues occuperont ce soir le coin scène de l'auberge. Ils jouent, chantent et dansent un drame musical qui a pour titre Vénus. Et nous, on débarque sans crier gare dans ce village de la nuit. On se baisse pour franchir la porte de l'auberge. Et bing, on tombe en pleine féerie. C'est un coup du magicien d'Oz, ce vieux semeur d'illusions. Le cerveau occulte de la route se cache quelque part dans l'obscurité. Et il nous envoie ses fusées traçantes, ses balles de lumière. Jesse entre le premier dans l'auberge. Il monte les marches, pousse la porte et la chaleur du feu de bois nous fait décoller du sol. L'invitation du feu, ni bonjour, ni merci. Tu es là et le feu brûle pour toi. On reste accoudé au comptoir, sans un mot, l'esprit flottant dans les flammes du feu. Un type en veste blanche nous croise sans comprendre. C'est pourquoi, pour ça, j'ai envie de lui gueuler en lui montrant les flammes. Et avec quoi vous le prendrez? Avec du silence, mec. Beaucoup de silence. Mais ce dialogue ne sortira pas du feu. Betty, la première, s'arrache à sa contemplation et accepte de faire quelques pas à côté de ce type. Elle l'entraîne à l'écart du feu, comme pour lui confier un secret, et surtout pour ne pas troubler la méditation des flammes. Vous avez déjà vu un feu, bien sûr, et vous êtes entré ici pour demander ça?
Le gars s'étonne. Les clients ne s'habillent pas de cuir noir pour leur sortie hebdomadaire. Un éclair dans son regard. Il vient peut-être de trouver la réponse. Ah oui, vous êtes des gens de la troupe, des amis de Karine. Quelle troupe? Son circuit mental se brouille à nouveau. La troupe, Vénus. Vénus, exclamation de Jessie qui saute à pieds joints dans la conversation. Vénus serait-elle sortie des flammes? On donne une comédie musicale ce soir. Voilà. La première phrase qui sonne pure dans la bouche de ce gosse. Il a eu pour dire ça l'inflexion du secret. Il pourrait aussi bien poser un doigt sur ses lèvres et souffler. Chut, quelqu'un va venir. Ok, on reste. On va voir ça. Vénus, merde, ça mérite le détour. Vous voulez des chambres? Des chambres et du vin au coin de ce bon feu, hurle littéralement Jessie. Et qu'on ne nous dérange plus jusqu'en l'an 2001. Nous ne sommes là pour personne, sauf pour Vénus, bien sûr. À quelle heure sort-elle du feu? Bientôt, monsieur, bientôt. Le garçon de salle accepte de danser avec Jessie. Il est dans la note. S'il ne se mêle pas d'intervenir trop souvent, sous prétexte qu'il croit avoir compris, il existe d'obscurs niveaux dans la conscience et il suffit d'un éternuement ou d'un mot mal placé pour foutre l'univers en l'air. Ne faites jamais confiance à ceux qui imaginent vous comprendre. Ils ne vous comprennent pas et essaient de se justifier en vous bouffant la moitié du cerveau. Laissez-les à une bonne distance derrière vous. Ils se dégonfleront tout seuls, sans leur frime. Donc Jessie ne commet aucune erreur quand il danse avec lui-même. Là, il peut voyager très haut, longtemps, aussi longtemps qu'il le désire. Il accepte de te faire un clin d'œil quand tu balances le mot juste. Pas plus, Jessie n'a rien d'un bouffeur de cadavres. Il laisse les morts danser avec les morts. Le garçon de salle n'insiste pas. On lui a balancé une pépite d'or. Ce mec ne va tout de même pas se prendre pour ce qu'il n'est pas et nous demander le plan de la mine. Non, il a compris. Il disparaît derrière le comptoir et sa tête frisée émerge au milieu des bouteilles. Il se contente de suivre et d'écouter. Il emmagasine tout ça pour plus tard, pour les jours de solitude, les soirs de déprime où il projette la vie des autres sur les murs blancs de sa piôle. L'auberge est sans doute tranquille habituellement, mais ce soir, c'est la révolution à tous les étages. Nous ne sommes plus les clients d'une auberge, mais des visiteurs venus d'une planète très noire. Voyons où en est le mental des visiteurs de Vénus. Voyons comment fonctionne l'harmonie des sphères au premier étage de cette auberge. Ne pas oublier, quand tu approches quelqu'un, ô guerrier rusé, c'est son mental que tu approches. Retrouve la langue des dieux et tu sauras bientôt si tes interlocuteurs sont d'authentiques magiciens ou de stupides buveurs d'eau de feu. Jessie pousse la porte de la chambre 7, passe son nez dans l'entrebâillement, hume l'air, garde le silence en observant les quatre comédiens qui jouent du pinceau devant la glace. Vous entendez du monde ce soir? L'une des têtes de couleur pivote sur elle-même. Un masque de craie blanche avec des lèvres rouges qui bougent sur le paysage immobile. Du monde? Oui, les gens qui viennent voir le spectacle. 80 personnes, je crois. Ils ont tous réservé leur table.
Mais pas un ne sait ce qu'il va voir. C'est la coutume dans cette région. Il ne se passe jamais rien de la couleur, du mouvement, et tout le monde rapplique. Comme pour un match de football, et pourtant Anvers est à 20 bornes. Allez comprendre. Nous sommes maintenant debout au milieu de la chambre, une fois de plus debout dans une chambre d'hôtel. Et tous les hôtels de ce voyage ressemblent à des théâtres sabordés avec leur faune barbare qui continue de jouer en attendant la catastrophe. Vous venez de loin, Genève. C'est là qu'on a monté cette comédie musicale. Demain, on fout le camp sur Bruxelles. Une audition au New Theater. On en vient. Du théâtre ? Ouais, du grand théâtre de Bruxelles. Y a plus rien, les gars, que des ruines. Le type balance un sourire complice. Pour lui, aucun doute, ce mec qui prétend avoir vu les ruines du théâtre de Bruxelles, cette veste rouge de Cosaque, ses vêtements de cuir et leur manière de poser des questions. Il a devant lui une belle brochette d'éclatés. Le moindre geste sent la cam. Mais il est du voyage, ça se voit à sa façon de sourire. Il sourit pour lui-même, avec le plaisir intense de celui qui se regarde faire. On est là devant eux, et la position qu'on occupe dans la pièce construit une sorte de structure objective, réelle. Ils ont tous envie d'éveiller en eux une structure pareille, de devenir enfin les héros de leur propre histoire et d'en finir avec la mascarade des autres. « Vous allez être nos supporters !» lance une fille en collant noir. Je me laisse tomber sur le lit de la chambre pour faire un tour complet du propriétaire. Retrouve l'angle de vision qui donne l'impression d'explorer l'espace par en dessous, une torche électrique dans la main. Tu te places dans la position du capitaine d'un bateau coulé par le fond. Tu observes en plongée et cherches le chemin qui te permettra de remonter à la surface. Un coude appuyé sur le lit, tes yeux balayant l'espace du dessus. Les visages défilent comme dans une glace tournante. À la tête du lit, le transistor jette Lay Down Sally de Clapton. Tu cherches à traduire en musique ce que tu vois dans l'éclairage de la lampe, comme pour la symphonie numéro 3 de Mahler. Un soir, dans une rue de Bruges, tu arrêtes le faisceau de ta lampe au moment précis où Clapton balance un break. La musique reprend, mais tu gardes les yeux fixés devant toi. Et la fille brune se met à sourire. Elle a compris ton jeu de plongée sous-marine. Elle arrête même de se maquiller pour ne rien perdre de ton spectacle mental. Pour Jessie, les habitants de cette chambre ont leur place sur la route du Nord. On peut jouer le jeu à fond et se payer un voyage sur Vénus. Et même s'il le faut, danser dans la salle de l'auberge, dans le crépitement des mitrailleuses. Salut à l'ivresse ancienne. Et Jessie roule un énorme joint d'herbe, avale la première bouffée, mime le rythme du transistor, essaye un pas de danse, tourne autour de la fille blonde qui incarne Vénus, pose un genou au sol, le regard fixé vers la fenêtre qui donne sur la route. Ce soir, je me sens l'âme de Michel Strogoff. C'est Homer aveugle, entend les steppes du Nord. De nouveau la musique du transistor, un rythme électrique, soutenu par le battement des bongos. Nous sommes dans une auberge du 19e siècle et du 21e siècle. Toujours ailleurs, toujours plus loin, et ça marche sur tous les plans de conscience à la fois. On bouffe des doses d'énergie comme on l'a toujours fait. Il n'y a plus rien d'autre sous le ciel vide, sur la terre froide, rien d'autre que ces décharges de vie qui fusent dans tous les sens. Betty descend au rez-de-chaussée pour voir où en sont les préparatifs. Une scène surélevée a été dressée contre le mur dans le fond de la salle. La rampe de projecteur est prête à fonctionner. Les gens du coin vont pouvoir suivre le spectacle sans quitter leur table et leur assiette. L'atmosphère d'un café-théâtre qui ne va pas tarder à se transformer en fête de la bière. Suivre le rythme jusqu'au bout, être là quand il le faut.
Sans rien perdre de ta solitude, tu sais d'avance que toutes les fêtes sont tristes et qu'une pantomime de plus ne change pas l'ordre des choses. Mais sans gestes, sans images, la légende ne serait pas la légende. Jesse s'installe sur le lit à côté de moi, suit mon angle de vision et aperçoit la fille brune. Diego, tu donnes ta sérénade mentale. Vu. Ce mec vient de tout comprendre. Et si tu chantais à haute voix ta sérénade, que tout le monde en profite. Une sérénade mortelle pour toutes les oreilles de cette planète. T'as ta guitare, non? Dans la voiture. Alors monte sur cette scène et gueule tes trucs dans le micro avant que Vénus ne nous injecte le mensonge de l'amour et celui de la paix et celui du bonheur doré. Tu veux que j'en parle au patron? Bon Dieu, il a raison, cette guitare correspond exactement à ce qu'on est en train de vivre, une caisse de bois et 6 cordes qui sonnent la ferraille. Mais sur le bois sont gravées les runes magiques. On va planter un totem de glace sur cette scène et faire trembler les bouteilles de bière sur les tables. Salle vide pour l'instant. Le patron est d'accord. Si vous savez chanter, pourquoi pas? Vous passerez un peu avant la comédie musicale. Il croit toujours qu'on appartient aux gens du spectacle et qu'on sait se tenir correctement devant un micro, qu'on est là pour faire danser ces types alourdis par la bière et qu'on va le faire sans complexe parce qu'on est sur terre pour jouer les Boy Scouts en attendant la mort. Mais personne ne sait encore que moi, Marc Ferraud, j'ai déjà foutu le camp de la planète et que j'accomplis ce voyage sur plusieurs plans de réalité à la fois. En quelques minutes, l'auberge vient de se remplir, perché sur les tabourets du comptoir. Nous inspectons la faune du coin qui défile jusqu'à la salle. Tous ces types s'expriment bruyamment pour bien montrer qu'ils appartiennent ce soir à la caste privilégiée des spectateurs, puisqu'ils ont payé pour ça. Ils savent même pas ce qu'ils vont voir, mais font confiance à la médiocrité du siècle, leur siècle, et j'arrive à 10h sonnante, guitare à la main, me colle devant le micro. Jeu des projecteurs, le micro qui sert à amplifier la guitare ne fonctionne pas. Rock et les autres occupent une table près de la scène, le dos tourné au vacarme, bien installés dans leur fauteuil de méditation. Ils observent à travers les fentes du masque la fatigue du voyage. Après plus de 2 jours de route, le sommeil essaie de reprendre ses droits. On s'attend tous à recevoir des tonnes de sommeil sur la tête et à basculer dans le vide par un tour d'horloge. Le vacarme de l'auberge et ce micro qui ne marche pas sont là comme des signes avant-coureurs. Quitte cette basse-cour, monte te coucher. Demain matin, tu reprends la route. Tu as devant toi toute la pagaille du monde concentrée sur quelques mètres carrés. Bon, tu as déjà vu ça 1 millier de fois. Ces mecs ressemblent aux flots de pétrole qui s'échappent d'un tanker éventré, noir, gluant. Ils se répandent partout, renversent la bière, se plaisent dans la mélasse. J'observe Rock et les autres. Eux n'ont pas renversé une goutte de bière. Ils boivent en silence, pour eux-mêmes, et retrouvent l'élégance barbare. Alors je décide quand même de chanter, d'enfoncer des poignards dans ces 80 paires d'oreilles en espérant toucher le cerveau. 4 chansons. La Saint-Jean-Dieu. Les hommes prient devant l'autel, ils se souviennent qu'en ce lieu, sous les pierres de la chapelle, on vénérait les anciens dieux. Un hommage aux dieux du Nord. Prête-nous ta femme pour les pseudo-libérés sexuels du siècle. Prête-nous ta femme, laisse-la venir chez moi. Tant pis si tes dieux me damnent. Elle connaîtra les dieux d'en bas. Un truc sur la cocaïne, l'histoire d'un type qui bouffe les pages du dictionnaire et qui déclare « Oh baby, c'est mieux que la cocaïne. Les yeux fermés, je vois le Larousse illustré. » Pour les finales, un rock écrit un jour de grande défonce, le Nunchaku. L'ombre de Bruce Lee sur la scène, la danse des fléaux japonais et les crânes qui craquent. Je
suis le James Dean des banlieues, l'empereur de Bagnolet, le tsar des squares de Montreux. J'ai troqué mon bilboquet contre un jeu encore plus fou, qui fait de grands moulinets. Mais c'est moi le roi du Nunchaku. Hurlement dans la salle, bruit d'assiettes qu'on cogne. Pareil que j'agresse ces types. Veulent des chansons à boire et à dormir, rien d'autre, au cours de cette nuit qu'ils ont payée et qui leur appartient. Rock sourit en vidant sa bière. La salle est égale à elle-même. Une meute de chiens que tu frappes à coups de fouet ne fait pas autant de bruit. J'arrête de chanter et gueule dans le micro. Je ne chante pas pour des vases de merde. Ouais. J'en vois un sur chaque table. Votre odeur est un somnifère très puissant. Permettez, messire, je monte dans ma chambre, respirer l'air des hauteurs. Et je saute de la scène, traverse la masse hurlante et monte réellement dans ma chambre. Pousser le jeu plus loin. Pourquoi faire ? Je suis à mille lieues de ces mecs. Et j'ai dans ma mémoire des images et des cités qu'ils ne vivront jamais. Ou alors, dans 2000 ans, lorsque cette planète sortira de sa nuit mentale. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Un totem de glace planté sur la scène. Ouais. Et chacun accroche au totem les gris-gris protecteurs et les signes magiques de sa tribu. Ces 80 mecs n'ont pas failli à la tradition. Sans quitter leur place, ils ont jeté en vrac leurs hurlements et les noms vulgaires de leur divinité. 2000 ans de religion pour arriver à ça. Seigneur, je vous souhaite d'être monté sur la croix pour vous-même, pour la seule beauté du geste, pas pour ces cons-là. Betty me rejoint dans la chambre. Il paraît qu'un des types veut te planter. Il a été raconté ça au patron en prétextant que tu as agressé la salle. Elle annonce ça avec le sourire, comme si elle me racontait ses souvenirs de vacances. Elle a sans doute raison, ces types qui tambourinent sur les tables. Cette scène est maintenant inutile, les villes qu'on traverse jusqu'à cette lame de couteau. Rien n'a d'importance sous ce ciel gris d'hiver. Les choses vont où elles doivent aller. Et tu poursuis ta symphonie intérieure, comme si le monde n'existait pas. Et que font les autres ? Je crois qu'ils sont au bar. La comédie musicale n'aura pas lieu. Drôle de soirée, non ? Tu as un peu d'herbe sur toi ? Tu veux qu'on reste tous les deux dans cette chambre ? Elle se laisse tomber sur mon lit en éclatant de rire. On pourrait faire l'amour ici, juste au-dessus de leur tête. Je parie qu'ils vont finir par tout casser ou bien par chanter des chansons de corps de garde. Et Rock, il a transformer le comptoir en messe des officiers. L'énergie qui alimente ce type m'étonne chaque jour un peu plus. Il a toujours préféré le tube d'amphétamine à la chambre d'hôtel. Il devrait dormir s'il veut reprendre la route demain matin. Rock, c'est ce qu'il fait. Tant que le signal rouge ne s'est pas allumé dans sa tête, il ne risque rien. Et tu es certaine qu'il reconnaîtra ce signal rouge ? Je parle pour toi-même. Ses doigts se crispent sur la couverture du lit. Je suis sûr qu'elle essaie de m'enfoncer un couteau quelque part. Le type ne me plantera pas. Betty vient de prendre en charge son énergie meurtrière et elle m'agresse avec l'éclair du couteau dans les yeux. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Elle hausse les épaules. Rien, tu ne m'as rien fait. J'allume la cigarette d'herbe, lui souffle doucement la fumée au visage, la couvre d'un nuage de tristesse. Ses deux grands yeux brillent tout au fond. Eux seuls disent la vérité. Elle se déshabille lentement, retrouve les gestes du rêve. M'aspire dans la voie verticale. Et le monde se désintègre. Sous nos mains, les bruits qui montent du rez-de-chaussée ne nous atteignent plus. Mais
Nous ne sommes pas dupes, nous savons exactement où nous sommes, malgré la chaleur de nos corps, nos morsures, nos délires d'image. La terre n'a jamais été aussi froide. Voilà bien là l'héritage désespérant de ce siècle. Nous sommes hantés par nous-mêmes et cette impression devient chaque jour un peu plus vive, comme devient plus vive la lucidité. Au pôle Nord, murmure Betty contre mon oreille. Tu auras toutes les femmes de glace que tu veux. Nous venons de nous comprendre.